I called you here today because we face dire circumstances. Our intelligence has confirmed the existence of a new threat that is unlike any we have seen before. This organization has the ability to carry out attacks anywhere in the world. They are highly lethal and indiscriminate of age, religion, or nationality. The potential for loss of human life and psychological terror is substantial and cannot be ignored. Bonjour et bienvenue sur Xboxygène. Nous voici pour une nouvelle vidéo. Alors cette année, c'est Rainbow Six Siege qui revient sur le stand Ubisoft. On l'avait déjà vu l'année dernière. Et on a la chance d'avoir Xavier avec nous qui est directeur créatif et qui va nous parler un petit peu du jeu. On a quelques questions en tant que fan. Xavier, est-ce que tu peux te présenter, dire un peu ce que tu fais pour le studio en deux mots? Alors, en deux mots, donc directeur créatif, hein, c'est à la tête de tout le projet, en fait, de tous les choix créatifs que l'on fait sur le projet, en game design, en art, en tout, en fait. Voilà, maintenant depuis 2 ans et demi, en fait. Ça marche. Alors il y a un an, on avait déjà nous joué à Rainbow Six Siege, on avait découvert le mode dans la maison où, qui était sur une map un peu petite où il fallait délivrer un otage. Cette année, vous revenez sur le salon, qu'est-ce qu'il y a de nouveau que vous présentez cette année par rapport à l'année dernière? En fait, il y a deux choses. Il y a les opérateurs et il y a aussi le Terror Hunt. Les opérateurs, c'est quelque chose qu'on avait caché à l'E3 dernier. En fait, on savait déjà qu'on était en train de les faire, on était déjà en train de travailler dessus, mais on l'a volontairement caché parce que c'est un vrai move que l'on voulait faire. C'est la capacité de délivrer pour les joueurs, en tout cas des personnages uniques, des personnages nommés, des personnages qui ont des loadouts très spécifiques, mais mieux que ça, des personnages qui ont des spécificités chacun et qui offrent du tactique. Et on voulait surtout cacher le fait qu'on voulait mettre le mode de jeu en pick unique, que chaque joueur qui prend un opérateur, il envoie une information à tout le monde et les autres vont devoir combiner avec, etc. Parce que ça, choisir, c'est de la tactique. Ce que l'on fait toujours dans les Rainbow, à partir du moment où on choisit, là on peut exprimer des regrets, on peut exprimer de la tension, et dès qu'on choisit, ça augmente le pic de tension et c'est ça que l'on veut pour le jeu. Ça, c'est pour les opérateurs. La deuxième chose, c'est le Terror Hunt. On a longtemps cru, en tout cas, pendant quand on a fait après cette E3, que ah ok, c'est un gros multiplayer. Mais c'est pas que ça. On a une autre carte qu'on a cachée depuis très longtemps. On savait qu'on allait offrir un pan dédié avec de l'intelligence artificielle. Nous, on a créé un ennemi particulier, les masques blancs. On l'a mis à un haut niveau de tactique. Il est capable de faire quasiment toutes les actions du jeu. Non, pas quasiment, l'intégralité des actions du jeu. Il peut faire du breaching, du rappel, etc. Il peut utiliser des tactiques explosives, suicidaires. Il va même bien au-delà de ce que peuvent faire des joueurs. Il peut créer des sièges bien plus puissants, déployer beaucoup plus de barbelés, beaucoup plus d'explosifs que n'importe quel joueur pourrait le faire en multi. Et ça, c'est une expérience plus longue. On est sur des parties de 20-25 minutes potentiellement où on va affronter de l'IA longtemps en coop ou en single. Et sur 4 modes très différents qui sont jouables en attaque, qui sont jouables en défense et qui mixent même pour un des game modes phase d'attaque et phase de défense. Alors là, du coup, l'année dernière, on avait une question à laquelle on n'a pas eu trop de réponses. C'était sur les environnements, la différence entre les différents environnements du jeu. Du genre, on avait demandé s'il y aurait par exemple des maps sous la neige ou en pleine forêt. Oui. Là, c'est très urbain ce qu'on voit. Est-ce que c'est prévu? Alors, forêt totale, c'est-à-dire les environnements extérieurs, non, parce qu'ils ne sont pas dans l'ADN du jeu. L'ADN des forces d'intervention, c'est pas d'opérer dans des mondes ouverts, c'est d'opérer dans des mondes fermés. On n'appelle pas les forces d'intervention pour les mondes ouverts. Dans les mondes ouverts, on va appeler les forces spéciales, ce qui est d'autres types d'unités qui ont d'autres systèmes d'exploitation. Les forces d'intervention ont deux choses en tête. Elles savent faire feu, c'est parmi les meilleurs au monde, c'est du 6 heures d'entraînement la veille d'une vraie opération. Et surtout, ils ont une deuxième skill qui est chez eux, la démolition. En fait, l'équation, c'est je dois tuer une menace contre qui les négociations, plus rien ne tient. En fait, il faut tuer cette menace qui est dangereuse, qui est armée, classée militaire. Mais le seul moyen de le faire, c'est d'ouvrir la boîte. Et ouvrir la boîte le plus vite possible parce que cette menace s'est enfermée. Pour s'enfermer, il nous faut des lieux. Donc nous, on délivre 11 maps qui sont 11 maps qui sont parmi les plus typiques que l'on peut rencontrer dans les forces d'intervention. Ça va de l'avion jusqu'au chalet en pleine montagne, etc., avec des environnements variés. On a la ferme résidentielle en pleine États-Unis qui ressemble au siege de Waco, etc. Bref, on a des situations qui sont emblématiques des forces d'intervention, donc qui sont très différentes, avec aussi des lightings différents. On va toujours fournir jour et nuit, parce que ce sont des conditions qui changent complètement les interventions. Pour chaque map. Exactement, parce que ce qui compte chez nous, c'est la réplayabilité et la condition de lumière est un facteur de réplayabilité. Toutes ces maps sont jouables sur l'intégralité du jeu. Que je joue en multiplayer ou en Terror Hunt, on peut absolument tout faire dans le jeu, elles sont 100% compatibles, il n'y a aucune perte.
Alors l'une des grosses forces du jeu, c'est la destructibilité de l'environnement. L'année dernière, on voyait dans la maison qu'il y avait certaines zones seulement où on pouvait péter le mur et tomber, etc. Est-ce que vous avez ouvert ça plus ou est-ce qu'il y a toujours des zones précises où il faudra poser des bombes et... On est largement au-dessus des 70% de destructibilité sur des maisons, des choses comme ça. En fait, ce qui se passe, c'est ce qui tient, ce sont les murs porteurs. Parce que dans les vraies forces d'intervention, tu ne casses pas les murs porteurs. Ils ont des forces explosives qui leur... Bah oui, ils vont pas rentrer dans une maison qui va s'effondrer. Donc en fait, ils ne frappent que les murs d'habillage, les murs d'intersection en fait de maisons. Et souvent, ce sont les cloisons internes, pas les cloisons externes. Donc par exemple, tous les tours de maisons, tout ce qui est en béton armé ne cassera jamais. Donc nous, on garantit en tout cas que tous les murs structurels tiennent et que tous les murs de décoration puissent exploser. Ce qu'on a fait par contre, par rapport à l'E3, c'est qu'avant, on avait toute la destruction sur beaucoup de murs, mais on a rajouté en plus ce que nous on appelle les line of sight, c'est-à-dire tu as des planchers, tu as des murs dont tu peux complètement égratigner les surfaces, détruire complètement les surfaces. À l'intérieur, tu auras des stocks de bois, des piliers, etc. Ils sont peut-être pas cassables, mais tu peux quand même... effondrer les surfaces et voir au travers et donc avoir des line of sight de tir. Et donc maintenant, ce qui est très nouveau, c'est les planchers. Le 3 dernier, il n'y avait pas les planchers. Là, il y a beaucoup de planchers. Si tu regardes la map alpha avec l'avion, typiquement, on avait des planchers partout qui peuvent être arrachés et les lignes de combat sont 360. En multi maintenant, nous sur Black Arrow, on est des gros fans de Black Arrow, de Rainbow Six. On avait l'habitude de pouvoir personnaliser pas mal de petites choses. On l'a vu beaucoup sur les FPS de ces dernières années, il y a des FPS où on peut tout personnaliser comme Halo par exemple et presque se créer des nouveaux modes de jeu. Est-ce que c'est l'optique du jeu ou est-ce que ce sera quand même cadré Alors non, c'est l'optique du jeu en fait. Moi le rêve ad vitam c'est de pouvoir laisser le jeu à la communauté et puis de le faire évoluer en fait. C'est vraiment dans son mindset, c'est comme ça que je réagis, c'est comme ça que j'ai toujours joué à des jeux. Je suis plus un joueur de jeu modé qu'un joueur de jeu d'origine. Ce qui m'intéresse, c'est la partie custom game en fait, c'est-à-dire qu'on va délivrer, pour l'instant c'est pas ouvert, mais une portion custom game dans laquelle on pourra rentrer des settings, et cette portion-là elle va être amenée à vivre, c'est-à-dire qu'au launch on va déjà être capable de modifier des sections, les temps de jeu, etc., les timers, machin, quel type de gun, on pourrait très bien limiter les playlists d'opérateurs, etc. Puis post-launch, alors là on va l'exploser, moi je rêve de carrément pouvoir modifier le flow, typiquement aujourd'hui on fait un pic d'opérateur par round, je ferais bien un pic d'opérateur unique pour 4 rounds de jeu, etc. Ce genre de choses pour que les joueurs puissent créer des systèmes de draft qui leur sont propres. Okay. Et une petite question justement sur la personnalisation du multi. Souvent les Rainbow Six c'était des jeux où on pouvait choisir la langue des joueurs avec qui on jouait. Du coup on pouvait se retrouver entre français uniquement. Est-ce que ça a été conservé ou pas? Non. Ça en fait on est zoné par serveur, par région. Si je dois faire une priorité, la priorité que je veux faire ici, c'est que le code network soit insane et qu'on roule en fait avec des scores qui soient vraiment bons sur le ping, etc. Je ne mettrai pas en priorité cette option-là. Et aujourd'hui, je serais vraiment absolument dictatorial sur la connectivité et sur le responsiveness du jeu. Ça, c'est sûr. Aussi vrai qu'on l'a été sur 60 frames secondes. Autre question, le jeu, bon, il y a la destructibilité du décor et tout ça. Sur les Rainbow Six précédents, on avait l'impression que c'était plus tactique. Parce que maintenant, on peut défoncer des murs. Dans les trailers qui sont montrés, c'est plutôt quelque chose de très action. Est-ce que l'ADN du jeu est quand même resté tactique? Est-ce qu'on pourra, par exemple, désactiver certaines choses qui rendent le jeu un peu facile, comme les drones caméras, les choses comme ça, voir à travers les murs avec des ustensiles fin... Alors, attention. Déjà, la destruction fait partie de leur univers. Là, attention, les bridge charges, les explosifs, etc., ça fait partie de leur univers. C'est-à-dire que leur univers est scindé en deux parties. Il y a une partie qui est longue, qui est de réflexion, qui est l'approche. Qu'est-ce que je vais prendre comme option? Qu'est-ce que je prends comme opérateur? Qu'est-ce que j'emmène comme matériel? Où est-ce que je vais frapper? Là-dessus, la dimension tactique, elle est là et je n'ai même pas besoin de répondre. À chaque fois qu'on fait des tests, etc., le mot tactique est le mot qui ressort, qui est le plus utilisé, qui vraiment... Vraiment, il écrase tous les feedbacks que l'on reçoit. Donc moi, super, allez-y communauté, c'est génial. Par contre, à un moment donné, il y a top action. Top action, c'est le moment où tu passes en cerveau reptilien et là, c'est la survie, ton gun sort et tout ce que tu as pesé avant, c'est des plus. Tu vas compenser les statistiques de mourir ou pas, mais à la fin, ça reste une skill, ça reste des années d'entraînement et ces types-là sont des gâchettes absolues. C'est ça dont on a besoin aussi. Donc oui, cette phase d'action, cette phase où la poussière tombe, où les explosifs résonnent, il faut pouvoir s'en sortir et être capable d'être le meilleur.
ça marche. Autre question qu'on avait eue l'année dernière, mais il n'y a pas encore eu de réponse, c'est on a vu des modes de jeu avec un otage à délivrer. Oui. Est-ce que c'est une possibilité d'avoir plusieurs otages à gérer? Alors non, dans le jeu non, par contre c'est clairement des modes, si la communauté y a pensé, soyez rassurés, nous c'est sur nos papiers en fait, c'est quelque chose qui nous a vraiment interpellé, mais pour l'instant on a préféré privilégier, avant de faire du multiplotage, de gérer des bombes par exemple, être capable de désarmer une bombe, parce que désarmer une bombe c'est pas du tout la même approche. Quand on approche un otage, et ben ça veut dire une telle capacité d'armement, quand on approche une bombe c'est un autre capacité d'armement, etc. On fait plus ou moins attention, donc on préférait pour l'instant séparer les saveurs plutôt que dupliquer la même saveur et de complexifier. Alors on a beaucoup parlé du multi qui a l'air vraiment pas mal, on n'a pas trop entendu parler d'un éventuel mode solo, de coop, d'une aventure solo. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous communiquez encore pour l'instant ou... Alors pour l'instant il y a un mode en fait qui est multi, un mode coop aussi, et puis on a aussi un mode solo, on a prévu un mode solo, on ne communique pas encore dessus, mais on a un mode spécifique solo qui va arriver. Le Terroir, ce qu'il faut savoir c'est qu'il est aussi jouable en solo en fait, il est designé pour être jouable en solo. On peut réduire le nombre de joueurs que l'on emmène, quand on réduit son nombre de joueurs on peut le rendre plus difficile, on peut le jouer à 4, 3, 2, 1, etc. Mais il est aussi jouable complètement à 1 et tout peut s'obtenir dans le jeu. Et quand tu dis mode solo, est-ce qu'on parle d'une campagne avec une vraie histoire ou... Non, pas campagne. Je voulais absolument éviter ça pour une raison, c'est que le maître mot de ce jeu, c'est la répliabilité. Et que quand on analyse en fait une campagne, c'est antinomique, c'est l'anti-répliabilité. Donc moi, j'ai fait en sorte de développer un mode particulier solo, en tout cas avec des vrais challenges solo, designés pour un joueur solo, mais qui soit amené dans la grande histoire du jeu, qui est une immense progression. Quoi que tu fasses dans le jeu, multi, co-op ou single, quel que soit ce que tu fais, tu acquiers de la renommée, et cette renommée te permet de prendre avec toi des opérateurs, d'augmenter ton groupe, de fabriquer ton groupe de Rainbow Six, de les équiper en armement, attachment, etc., de les équiper en skin. C'est ça l'histoire du jeu. Fabrique ton groupe Rainbow Six. Et c'est quand est-ce qu'on aura des infos sur ce mode solo à la Gamescom? C'est pas du tout en fait. Non, honnêtement, en interne, je ne sais pas. Ben, écoutez, merci beaucoup Xavier. Merci. Pour ces infos. C'est très agréable d'avoir ce feedback en tant que joueur. Et puis on va essayer le jeu bientôt, et puis on se donne rendez-vous très bientôt, nous, pour d'autres vidéos d'impression sur les jeux qu'on teste. Ciao. Merci. En fait, on est zoné, je crois qu'on est zoné par serveur, par région. Si je dois faire une priorité, la priorité que je veux faire ici, c'est que le code network soit insane et qu'on roule en fait avec des scores qui soient vraiment bons sur le ping, etc. Je ne mettrai pas en priorité cette option-là. Et aujourd'hui, je serais vraiment absolument dictatorial sur la connectivité et sur le responsiveness du jeu. Ça, c'est sûr. Aussi vrai qu'on l'a été sur 60 frames secondes. Autre question, le jeu, bon, il y a la destructibilité du décor et tout ça. Sur les Rainbow Six précédents, on avait l'impression que c'était plus tactique. Maintenant, on peut défoncer des murs. Dans les trailers qui sont montrés, c'est plutôt quelque chose de très action. Est-ce que l'ADN du jeu est quand même resté tactique? Est-ce qu'on pourra, par exemple, désactiver certaines choses qui rendent le jeu un peu facile, comme les drones caméras, les choses comme ça, voir à travers les murs avec des ustensiles? Alors, attention. Déjà, la destruction fait partie de leur univers. Là, attention, les bris de charge, les explosifs, etc., ça fait partie de leur univers. C'est-à-dire que leur univers est scindé en deux parties. Il y a une partie qui est longue, qui est de réflexion, qui est l'approche. Qu'est-ce que je vais prendre comme option? Qu'est-ce que je prends comme opérateur? Qu'est-ce que j'emmène comme matériel? Où est-ce que je vais frapper? Là-dessus, la dimension tactique, elle est là et je n'ai même pas besoin de répondre. À chaque fois qu'on fait des tests, etc., le mot tactique est le mot qui ressort, qui est le plus utilisé, qui vraiment... Vraiment, il écrase tous les feedbacks que l'on reçoit. Donc moi, super, allez-y communauté, c'est génial. Par contre, à un moment donné, il y a top action. Top action, c'est le moment où tu passes en cerveau reptilien et là, c'est la survie, ton gun sort et tout ce que tu as pesé avant, c'est des plus. Tu vas compenser les statistiques de mourir ou pas, mais à la fin, ça reste une skill, ça reste des années d'entraînement et ces types-là sont des gâchettes absolues. C'est ça dont on a besoin aussi. Donc oui, cette phase d'action, cette phase où la poussière tombe, où les explosifs résonnent, il faut pouvoir s'en sortir et être capable d'être le meilleur. Ça marche. Autre question qu'on avait eue l'année dernière, mais il n'y a pas encore eu de réponse, c'est on a vu des modes de jeu avec un otage à délivrer. Oui. Est-ce que c'est une possibilité d'avoir 6 heures d'entraînement la veille d'une vraie opération? Et surtout, ils ont une deuxième skill qui est chez eux, la démolition.
En fait, l'équation, c'est je dois tuer une menace contre qui les négociations, plus rien ne tient. En fait, il faut tuer cette menace qui est dangereuse, qui est armée, classée militaire. Mais le seul moyen de le faire, c'est d'ouvrir la boîte. Et ouvrir la boîte le plus vite possible parce que cette menace s'est enfermée. Pour s'enfermer, il nous faut des lieux. Donc nous, on délivre 11 maps qui sont 11... maps qui sont parmi les plus typiques que l'on peut rencontrer dans les forces d'intervention. Ça va de l'avion jusqu'au chalet en pleine montagne, etc., avec des environnements variés. On a la ferme résidentielle en pleine États-Unis qui ressemble au siege de Waco, etc. Bref, on a des situations qui sont emblématiques des forces d'intervention, donc qui sont très différentes, avec aussi des lightings différents. On va toujours fournir jour et nuit, parce que ce sont des conditions qui changent complètement les interventions. Pour chaque map. Exactement, parce que ce qui compte chez nous, c'est la réplayabilité, et la condition de lumière est un facteur de réplayabilité. Toutes ces maps sont jouables sur l'intégralité du jeu. Que je joue en multiplayer ou en Terror Hunt, on peut absolument tout faire dans le jeu, elles sont 100% compatibles, il n'y a aucune perte. Alors l'une des grosses forces du jeu, c'est la destructibilité de l'environnement. L'année dernière, on voyait dans la maison qu'il y avait certaines zones seulement où on pouvait péter le mur et tomber, etc. Est-ce que vous avez ouvert ça plus, ou est-ce qu'il y a toujours des zones précises où il faudra poser des bombes et... On est largement au-dessus des 70% de destructibilité sur des maisons, des choses comme ça. En fait, ce qui se passe, c'est ce qui tient, ce sont les murs porteurs. Parce que dans les vraies forces d'intervention, tu ne casses pas les murs porteurs. Ils ont des forces explosives qui leur... Bah oui, ils vont pas rentrer dans une maison qui va s'effondrer. Donc en fait, ils ne frappent que les murs d'habillage, les murs d'intersection en fait de maison, et souvent sont les cloisons internes, pas les cloisons externes. Donc par exemple, tous les tours de maison, tout ce qui est en béton armé ne cassera jamais. Donc nous, on garantit en tout cas que tous les murs structurels tiennent et que tous les murs de décoration puissent exploser. Ce qu'on a fait par contre, par rapport à l'E3, c'est qu'avant, on avait toute la destruction sur beaucoup de murs, mais on a rajouté en plus ce que nous on appelle les line of sight, c'est-à-dire tu as des planchers, tu as des murs dont tu peux complètement égratigner les surfaces, détruire complètement les surfaces. À l'intérieur, tu auras des stocks de bois, des piliers, etc. Ils sont peut-être pas cassables, mais tu peux quand même effondrer les surfaces et voir au travers, et donc avoir des line of sight de tir. Et donc maintenant, ce qui est très nouveau, c'est les planchers. Le 3 dernier, il n'y avait pas les planchers. Là, il y a beaucoup de planchers. Si tu regardes la map alpha avec l'avion, typiquement, on avait des planchers partout qui peuvent être arrachés, et les lignes de combat sont 360. En multi maintenant, nous sur Black Arrow, on est des gros fans de Black Arrow, de Rainbow Six. On avait l'habitude de pouvoir personnaliser pas mal de petites choses. On l'a vu beaucoup sur les FPS de ces dernières années, il y a des FPS où on peut tout personnaliser comme Halo par exemple, et presque se créer des nouveaux modes de jeu. Est-ce que c'est l'optique du jeu, ou est-ce que ce sera quand même cadré Alors non, c'est l'optique du jeu en fait. Moi, le rêve ad vitam, c'est de pouvoir laisser le jeu à la communauté et puis de le faire évoluer en fait. C'est vraiment dans son mindset, c'est comme ça que je réagis, c'est comme ça que j'ai toujours joué à des jeux. Je suis plus un joueur de jeu modé qu'un joueur de jeu d'origine. Ce qui m'intéresse, c'est la partie custom game en fait. C'est-à-dire qu'on va délivrer, pour l'instant c'est pas ouvert, mais une portion custom game dans laquelle on pourra rentrer des settings. Et cette portion-là, elle va être amenée à vivre. C'est-à-dire qu'au launch, on va déjà être capable de modifier des sections, les temps de jeu, etc., les timers, machin, quel type de gun. On pourrait très bien limiter les playlists d'opérateurs, etc. Puis post-launch, alors là, on va l'exploser. Moi, je rêve de carrément pouvoir modifier le flow. Typiquement, aujourd'hui, on fait un pic d'opérateur par round. Je ferais bien un pic d'opérateur unique pour 4 rounds de jeu, etc. Ce genre de choses pour que les joueurs puissent créer des systèmes de draft qui leur sont propres. Okay. Et une petite question justement sur la personnalisation du multi. Souvent les Rainbow Six, c'était des jeux où on pouvait choisir la langue des joueurs avec qui on jouait. Du coup, on pouvait se retrouver entre français uniquement. Est-ce que ça a été conservé ou pas? Non. Ça, des personnages qui ont des spécificités chacun et qui offrent du tactique. Et on voulait surtout cacher le fait qu'on voulait mettre le mode de jeu en pic unique, que chaque joueur qui prend un opérateur, il envoie une information à tout le monde et les autres vont devoir combiner avec, etc. Parce que ça, choisir, c'est de la tactique. Ce que l'on fait toujours dans les Rainbow, à partir du moment où on choisit, là on peut exprimer des regrets, on peut exprimer de la tension, et dès qu'on choisit, ça augmente le pic de tension, et c'est ça que l'on veut pour le jeu. Ça, c'est pour les opérateurs. La deuxième chose, c'est le Terror Hunt. On a longtemps cru, en tout cas pendant quand on a fait après cette E3, que ah ok, c'est un gros multiplayer, mais c'est pas que ça. On a une autre carte qu'on a cachée depuis très longtemps. On savait qu'on allait offrir un pan dédié avec de l'intelligence artificielle. Nous, on a créé un ennemi particulier, les masques blancs. On l'a mis à un haut niveau de tactique. Il est capable de faire quasiment toutes les actions du jeu. Non, pas quasiment, l'intégralité des actions du jeu. Il peut faire du breaching, du rappel, etc. Il peut utiliser des tactiques explosives, suicidaires. Il va même bien au-delà
de ce que peuvent faire des joueurs. Il peut créer des sièges bien plus puissants, déployer beaucoup plus de barbelés, beaucoup plus d'explosifs que n'importe quel joueur pourrait le faire en multi. Et ça, c'est une expérience plus longue. On est sur des parties de 20 à 25 minutes potentiellement où on va affronter de l'IA longtemps en coop ou en single. Et sur 4 modes très différents qui sont jouables en attaque, qui sont jouables en défense et qui mixent même pour un des game modes phase d'attaque et phase de défense. Alors là, du coup, l'année dernière, on avait une question à laquelle on n'a pas eu trop de réponses. C'était sur les environnements, la différence entre les différents environnements du jeu. Du genre, on avait demandé s'il y aurait par exemple des maps sous la neige ou en pleine forêt. Oui. Là, c'est très urbain ce qu'on voit. Est-ce que c'est prévu ? Alors, forêt totale, c'est-à-dire les environnements extérieurs, non, parce qu'ils ne sont pas dans l'ADN du jeu. L'ADN des forces d'intervention, c'est pas d'opérer dans des mondes ouverts, c'est d'opérer dans des mondes fermés. On n'appelle pas les forces d'intervention pour les mondes ouverts. Dans les mondes ouverts, on va appeler les forces spéciales, ce qui est d'autres types d'unités qui ont d'autres systèmes d'exploitation. Les forces d'intervention ont deux choses en tête. Elles savent faire feu, c'est parmi les meilleurs au monde, c'est du... I called you here today because we face dire circumstances. Our intelligence has confirmed the existence of a new threat that is unlike any we have seen before. This organization has the ability to carry out attacks anywhere in the world. They are highly lethal and indiscriminate of age, religion, or nationality. The potential for loss of human life and psychological terror is substantial and cannot be ignored. Bonjour et bienvenue sur Xboxygène. Nous voici pour une nouvelle vidéo. Alors cette année, c'est Rainbow Six Siege qui revient sur le stand Ubisoft. On l'avait déjà vu l'année dernière. Et on a la chance d'avoir Xavier avec nous qui est directeur créatif et qui va nous parler un petit peu du jeu. On a quelques questions en tant que fan. Xavier, est-ce que tu peux te présenter, dire un peu ce que tu fais pour le studio en deux mots ? Alors, en deux mots, bon, donc, directeur créatif, hein, c'est à la tête de tout le projet, en fait, de tous les choix créatifs que l'on fait sur le projet, en game design, en art, en tout, en fait. Voilà, maintenant depuis 2 ans et demi, en fait. Ça marche. Alors, il y a un an, on avait déjà, nous, joué à Rainbow Six Siege. On avait découvert le mode dans la maison où, qui était sur une map un peu petite où il fallait délivrer un otage. Cette année, vous revenez sur le salon. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau que vous présentez cette année par rapport à l'année dernière ? En fait, il y a deux choses. Il y a les opérateurs et il y a aussi le Terror Hunt. Les opérateurs, c'est quelque chose qu'on avait caché à l'E3 dernier. En fait, on savait déjà qu'on était en train de les faire. On était déjà en train de travailler dessus, mais on l'a volontairement caché parce que c'est un vrai move que l'on voulait faire. C'est la capacité de délivrer pour les joueurs, en tout cas des personnages uniques, des personnages nommés, des personnages qui ont des loadouts très spécifiques, mais mieux que ça,